Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carrion. Alors désolé pour les quelques petits jours d'attente qu'il y a eu entre les deux épisodes. Enfin depuis le dernier épisode, j'ai pas eu le temps d'enregistrer plus que ça entre temps. Ah, attendez, je crois que je vais baisser un tout petit peu le son, j'ai l'impression qu'il est trop fort. Parce que j'avais eu une remarque comme quoi le son du jeu était pas assez fort, donc du coup je l'ai remonté un peu. Mais là j'ai peur qu'il couvre un peu trop ma voix, donc je vais essayer comme ça, vous me direz si ça vous va. A priori ça a l'air bon, d'après la balance de son. Ok, donc je sais plus du tout où j'en étais par contre. On était avec la grosse... Oh, bonjour. Ok, redescends là. Non, je vais pas aller directement là, je préfère aller là. Ok, alors. Ce gars-là, vous me disiez, il me semble dans les commentaires, que dès que leur uniforme n'était plus rouge... On va essayer de voir si on peut s'en occuper. Ouais, a priori, ouais, c'est ça. Donc l'uniforme n'a plus la couleur rouge un petit peu partout, donc a priori il est vraiment mort. Donc j'ai peut-être pas besoin de réinsister un petit peu comme je pouvais le faire les dernières fois. Et donc c'est bon. Alors, où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on faisait? Alors, je pense qu'on devait venir d'en bas, on va aller en haut pour voir. Oh, bah tiens, bonjour. Donc on a, voilà, ok, on a plusieurs soldats par ici. Celui-là est mort, parfait. Donc, il faut qu'on s'occupe de lui. Ah putain, ils sont nombreux. Ah merde. Ah. Et ils mourir. Il y avait pas un gars en bas là? Si. On va essayer de reprendre un petit peu de la vie en mangeant des morceaux d'humain qui traînent dans le coin. Ouais, ça va pas trop aider, hein. Ouais, je me suis bien fait ouvrir. Ok, ils sont deux là. Alors comment est-ce qu'on peut passer par là au pire? Oh joli. En voilà un. Donc en voilà un qui est mort. Parfait. L'autre il est clignotant, donc ça doit dire que je lui ai bien fait mal. Nope. Je vais essayer de voir si je pouvais balancer mon truc depuis en dessous, mais j'ai pas l'impression que je pouvais le faire. Hop 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 hop. Ah merde, j'essaie de lui balancer ma toile. Hop, raté, non. Oh nom de Dieu. Heureusement qu'il y a des morceaux qui traînent. Ouh. Allez, alors attends, tu pars vers là-bas. Non, raté. Oups là. Putain, j'y arrive pas. Aïe, 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 je vais me faire tuer moi à ce rythme-là. Pas le faire. Voilà, ça y est. Ah putain, enfin. C'est bien parce qu'il reste accroché au mur au passage. Est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y avait pas d'autres gens dans le coin? Il n'y avait pas des cadavres qu'on pouvait bouger? Parce que je les entends faire du bruit. Ok, il y a du monde là-haut. On va aller se nourrir un peu. Ah merde. Saloperie. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à le choper sans que l'autre il me truque. J'ai plus qu'un PV. Mais mange-le! Voilà. Ok, ça va un peu mieux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour s'occuper de ces deux loustiques? Je pense que ça va être la même chose, envoyer notre super spider web. Oup là. Je voulais passer sur la gauche, mais il s'est retourné entre temps l'autre. Ah non, ce qu'on peut faire peut-être c'est... Ah oui, je peux me rendre invisible, j'avais oublié ce détail. Hop, j'en ai chopé un apparemment. Voilà. Donc ça nous en fait déjà un géré. Parfait. Putain. On peut aussi le choper directement sans lui envoyer notre truc dans la gueule, ça suffit aussi amplement. Je crois qu'il était mort. Ouais, il est mort. Ok. Bon, bah, c'est très bien. Alors, pour péter ça, c'était le gros... Ah oui, mais j'ai plus le... J'ai pas la masse pour... peut-être en bouffant celui-là. Non, ça va juste me rendre assez de vie, a priori. Non, en plus, même pas ça. Ils me soignent pas, ceux-là, en fait. Parce qu'ils ont des espèces de... Ah, ils me soignent pas, en fait. Merde.
Parce qu'on peut pas passer là-haut à cause de ça. On peut pas ouvrir cette porte. Est-ce qu'on peut passer des choses ici pour voir si ça révèle quelque chose sur le monde? Est-ce que... Il y a, non, il y a rien ici. Il y a pas genre un... Je vois s'il n'y avait pas une sorte de... interrupteur, un truc comme ça, quelque part. Peut-être une porte, un passage secret. Non, a priori, il n'y a rien d'autre ici. Il faut vraiment revenir en étant full. Et on n'est pas full, là. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on reparte. On va aller par là. Par là. Hop là. Hello ? Ah oui, mais c'était un des gars qui était à l'étage du dessus à l'origine. J'avais pas fini. Ok. Récupérer biomasse. Yes. Ok, ça nous refait au max. Parfait. Nickel. Oh putain. C'est vrai que quand on est gros, on est gros. On est un peu moins agile, moins rapide. Et au final, ça va, on s'en sort. Alors. Voilà, parfait. Bonjour. Ah bah. Parfait. Alors, ah bah ça nous en... Ah non, ok, ça a activé le deuxième truc de ce passage. On va aller... Bah on va descendre là, du coup, hein, écoutez. Ah! Ah merde, il aurait fallu que je passe en invisible, peut-être. Ouais, mais je pouvais pas laisser ma truc. Alors attendez, parce que là, il y a un gros... Enfin, il y a un soldat. Si on essaye de descendre, on peut essayer de descendre les deux en un coup, mais on va se faire probablement tirer dessus. Ah, c'est bon, on est passé. Alors, ça nous emmène au loin... Ah non, mais il y a un mur là en fait. D'accord, je comprenais pas. Je me disais pourquoi je peux pas passer. Bon, on va aller en bas pour voir. Ok. Alors là, je peux pas passer en... Ah, mais par contre... Ah ouais, mais non. Il faut que je sois en petit pour pouvoir actionner le levier à distance. Et ok, on peut pas passer de l'autre côté. Donc du coup, a priori, c'est pas par là qu'il faut qu'on aille. On peut aller sur la droite ici. Ok, ça nous emmène là, c'est bloqué. Parfait. Sinon, il y avait ce passage là-haut qui, effectivement, nous ramène par ici. Alors, on peut faire le plein d'énergie avec ça. Là, il y a un mur. On peut passer là? Oui, on peut passer là. On peut déposer une partie de la biomasse et on peut redescendre par ici. Ok, donc ça nous fait redescendre. Ce qui nous permet déjà de... Ok, donc ça nous a permis d'ouvrir... Ah, mais attendez, ça a ouvert un truc, mais ça a fermé un autre, là. Ouais. Ça va fermer ça, je peux pas redescendre. Donc je suis contraint de partir sur la droite. Ok, ce qui me ramène à l'endroit où j'étais, basiquement. Ok, donc ce qui me ramène ici. Ce qui me permet de descendre tout en bas et de réactiver, d'aller activer ce truc-là. Alors ça nous ouvre quoi? Ok, ça va ouvrir. Yes, ça ouvre ce truc-là. Et par contre, je pense qu'il va falloir qu'on passe en mode invisible, du coup. Si on veut pas se faire repérer par ce truc-là. C'est pas passé loin. Non mais chope lui là. Voilà. Tue-le. Voilà. Et puis mange les autres. Au passage. Voilà. Merde, du coup on a grossi. On a repris le niveau supérieur de truc. Ah mais attends. Avec ce niveau là je peux... Si je peux activer ça. Je l'avais déjà activé ou je... Non. Ouais, on va descendre là pour voir ce que ça nous mène où. On peut descendre, oui. Ah, attends. Parce que là, hop, là, il y a ça. Ok, donc ça, c'était le troisième, parfait. A priori, ça peut nous permettre d'aller là, mais là, c'est entièrement bloqué en haut et en bas. Donc, on va devoir... on va essayer d'aller visiter en bas, voir ce qu'il y a. Alors là, on a quelqu'un de armé. Alors j'ai coupé les deux trucs, ça nous ouvre... Alors ça nous ouvre un de ces deux trucs. Et on a... Ah putain, je me rappelle, oui c'est vrai, la dernière fois on était passé par cette pièce où il y avait toutes ces espèces de grosses bestioles. Et sachant que... On peut descendre... Ouais, c'était effectivement, il y avait ça. Putain de merde, il y en a d'autres? Non. Aïe, je vais me barrer. Bon, alors, je pense pas que ce soit là qu'il fallait que j'aille à la base. Donc clairement pas. Je
je sais plus du tout où j'en étais. Mais comment on faisait pour les affronter déjà ces trucs? Je me rappelle plus. Déjà, peut-être éviter de se faire tirer dessus. Oh putain. On va remonter, hein. Ça sera mieux. Alors je sais pas si j'ai besoin de récupérer de la biomasse tout de suite. On va peut-être... Attends. On s'est déjà faufilé là, non? Ah ok, ça nous emmène là. Ok, ça ferme ça et ça ouvre l'autre côté du coup. Très bien. Ah oui, mais du coup ça me bloque en bas. Je peux remonter... Alors on a un monsieur qu'on peut peut-être manger. Histoire de regagner un peu de vie. Voilà, ça nous a remis un peu de vie. Non mais arrête d'essayer de bouffer ce truc là, ça sert à rien. Ok, non, ça doit pas être là-haut. Est-ce que... Non, ça c'était le retour à cet endroit-là. Ça va rien nous apporter. Au moins la porte a été ouverte. Si on redescend... Parce que là on est bloqué... Comment est-ce qu'on peut... Attends, peut-être que... Si on repart comme ça, est-ce que ça nous a ouvert quelque chose? Non, ça on peut pas le réactiver, donc on est vraiment en litère. Ok, donc il n'y a rien d'autre à faire ici. Très bien. Je pense pas qu'il y ait grand chose à nouveau à faire en haut, mais on va quand même rejeter un oeil, on sait jamais. A priori, non. Ok. Un peu dubitatif, parce que si je remonte ici, ça c'était verrouillé, ça c'est... Hop, on a rechargé, on a refait plein d'énergie. Ok, ça, ça nous a rouvert ce truc, mais ça a fermé l'autre de l'autre côté. Donc ça me permettrait d'aller récupérer ma biomasse si je voulais. Au pire. Ok. Non, je voudrais... Faut probablement qu'on redescende. Mais du coup, je pense qu'il faut qu'on réactive ce levier, en fait. Ça referme les deux là-bas, ok. Mais il y a probablement un autre truc qu'on doit faire entre-temps pour nous permettre de passer par là-bas. Si on vient là et qu'on redescend, on va se retrouver là où il y avait le mec. Alors je peux pas les réactiver ces trucs du coup, non. Alors la seule question que je me posais c'était, ouais, comment on affrontait déjà ce truc? Je me rappelle plus du tout. Ok, ça nous permet de passer dans l'eau, super. Non mais arrête! Arrête de bouger dans tous les sens. Ok, j'ai réussi à lui arracher un morceau. Ok, un deuxième. Ouais, méfie-toi. Aïe! Oh merde! Je suis allé trop comme une brute là. Bon, on avait un point de chargement pas trop loin de toute façon, donc ça va. Au moins on va être en gros cette fois-ci pour les affronter. Alors. Déjà on va s'occuper de la demoiselle. Ah attends, parce que ça, ça a ouvert, mais ça a pas ouvert ce truc là. Oh putain, on est beau comme ça, tiens. Ça a pas ouvert ce truc là. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin d'ouvrir ce truc là en fait? Alors je suis allé voir, bref. A priori non, parce que s'il y a des gens encore en vie. Il y a un mec aux toilettes. Déjà, on va se faire. Voilà. Après, peut-être qu'il faut l'ouvrir. Et dans ce cas-là, vaut mieux l'ouvrir l'un après l'autre. Ah bah tiens. On a réussi à ouvrir les quatre. Alors peut-être qu'on en a pas besoin. Écoute, on va tester. Hein. Attends, ça nous ramène. Ok, donc ça nous ramène ici. Non, parce que si on n'a pas besoin de les... Attends. Non, parce qu'ouvrir le deuxième truc, il me semble que ça ouvrait ce truc-là en bas. Et je crois que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Donc effectivement, il faut probablement qu'on ouvre le deuxième. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, et ça a ouvert un des deux, et le deuxième, c'est celui qui est protégé par le deuxième truc, du coup. Ça ouvre ça. Ouais, c'est normal. Ça me paraît, c'est bizarre quand même que on puisse échapper à ces mecs-là sans avoir à les affronter. Donc on va essayer de l'affronter. Hein, on va pas se les faire les deux d'un coup, hein. C'est pas une très bonne idée. Oh merde.
Ça, je sais pas si c'est une très bonne idée en fait. Aïe! Putain! Oh! J'ai réussi. Ah ouais! D'accord! J'ai réussi à choper le mec avec le truc du spider web là, enfin la toile d'araignée. Ça l'a sorti du véhicule du coup et ça m'a permis de gagner. Donc en fait il faut enlever les protections du dessus et après tu peux choper le gars. Ah, c'est cool ça. Ah attends, du coup si on remonte... Oui non mais on le savait déjà que si on remonte ça nous permet de passer par là. Alors est-ce qu'on va récupérer de la biomasse? C'est une bonne question ça. Parce que... Si je rouvre ça, le problème c'est que ça ferme ici, donc je peux pas redescendre là pour aller là. Donc si je devais essayer de retourner sur la gauche là-bas, est-ce que... Non, ici ça nous emmène à rien du tout. Si on remonte... Là, c'est pas certainement pas là qu'il faut aller, ok. Voilà, c'était là plutôt. Sauf que là, ça me bloque ce passage-là, mais je pense que ça, j'en ai plus besoin. On peut rouvrir du coup de l'autre côté. Non, ah non, ça me donne accès. Oups, non. Ah merde, je voulais pas aller là. C'est pas grave. Hop, on fait le tour. Ouais, parce que là, ça nous ferme ça. Attends une seconde. Le truc là-haut, ça nous permet de passer où déjà? Ah ok, ça nous ramène ici. Normal. Très bien. Donc... Qu'est-ce qui nous permet d'aller là-bas en fait? Parce que si j'active ce truc-là, ça ferme en bas, on est d'accord? Donc je peux revenir là que si je fais le tour de l'autre côté. Et je sais pas comment faire le tour de l'autre côté. Sachant que je peux probablement pas le faire à distance le temps de se déplacer, vous voyez? Genre... Non, je peux pas le faire à distance le temps de se déplacer. Donc là, ça me bloque le passage. Mais à quoi ça me sert que ça me bloque le passage, d'ailleurs? Non, mais ça me bloque le passage parce qu'en fait, je dois pouvoir aller de l'autre côté. Sauf que j'ai pas moyen d'aller de l'autre côté en passant par ici. Il doit y avoir un truc que j'ai raté. Si on va vérifier là, il y avait quoi déjà? Non, ça nous ramène à l'endroit où on était. Donc ça doit pas être ici. Ça nous fait redescendre dans ce passage. Donc ce levier, il va ouvrir les trucs de l'autre côté. Alors on va peut-être essayer parce que si on passe par en bas, là où il y avait le gros truc. Ah mais non, mais je peux pas redescendre en faisant ça en fait. À moins de faire tout le tour. Faut peut-être faire tout le tour. Attends. C'était par où faire tout le tour parce qu'il faut que je m'y retrouve du coup. Si on passe comme ça. Hop. Ok, donc là on est revenu. Yes. Ok, mais non, ça c'est toujours fermé. Ça on y est allé. Du coup, si je repasse par en dessous, ça donne quoi? C'est toujours... Ouais, c'est fermé à nouveau, donc ça c'est normal. Y'a rien d'autre ici, on est d'accord, hein. Attends. Oh. Bienvenue ici. Oh merde. Ah, il y a des drones de partout. Il faut qu'on les bute. Je pense qu'il est détruit celui-là. Quasiment plus de vie. Aïe. Attention. Ne pas mourir. Ah merde. Ne pas mourir et il meurt. Bon, au moins on sait où est-ce qu'il faut qu'on aille. Au moins on va y aller à pleine puissance. Donc ça va le faire. Ah attends, du coup c'est par là. Ah, c'était là. Voilà, donc ça au moins avec la pleine puissance, ça me permet de passer là. Ok, donc ça nous permet de voir ça.
Ok, il n'y avait rien d'intéressant ici. J'essaie de voir si je peux les choper en direct. Aïe. Merde. Pas glope. Alors au moins l'avantage c'est que là, on peut se planquer ici. Putain de merde. Au moins ils savent pas viser, hein. Aïe! Faut que j'arrête de me suicider en me jetant sur eux en fait. Putain de zut! Où est-ce qu'il est? Voilà! C'est bon! Fallait prendre un peu son temps. Ok, donc ça, ça nous ouvre le passage en haut. Alors ici. On va se réparer, on va se soigner un peu, même si cela a priori ne donne pas full vie. De toute façon, je sais pas. Est-ce que j'ai besoin de revenir en taille grosse? Parce que sinon, on revient à un point de sauvegarde et on y repasse en taille grosse quand même au final. Bah, j'avais besoin de. Pourquoi j'ai un morceau d'humain attaché à moi? Ok, donc ça, ça nous emmène. Ah, bah voilà! C'était l'autre côté de tout à l'heure. Ah oui, mais il faut que je sois en petite taille. Donc, ouais, ça m'a rouvert l'autre côté, super. Alors là, ah, si je... Attendez. Parce qu'il faut qu'on soit en petite taille pour pouvoir envoyer notre spider web par là. Donc là, on est coincé. Si je réactive ça. Ok, je peux remonter du coup. Parfait. Donc si je remonte, je peux lâcher la biomasse. Donc ça fait double dose de biomasse ici. Comme ça, on peut redescendre, repasser par ici. Et on peut activer ce truc là. Donc ça, ça nous ouvre. Ok, ce passage. Alors, est-ce que je vais reprendre ma biomasse quand même au cas où. Je crois. Non, mais je voulais pas la déposer. Ah non, il faut... C'est vrai. Il faut la manger, c'est ça. Et si je mange les deux... Ouais, ça m'a remis full vie. Parfait, 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 parfait. Donc on peut pas descendre là. Il faut qu'on descende par là. Ok, et donc ça, ça nous emmène... D'accord, donc là, il y a un gros guerrier. Il faudrait qu'on... Ah non! Exactement ce qu'il fallait éviter. Ok, attends, c'est lequel que j'ai chopé? Non, c'est pas le... Ah putain, le soldat était de l'autre côté. Le soldat est mort, a priori. Voilà, lui, il est coupé en deux aussi. Attends, je vais aller voir sur la gauche. Ok, donc ça nous ramène là où on avait affronté les drones. Logique. Oup, 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 oup. Aïe. Ah, les contrôles sont... très... sensible. Alors, on va se mettre là. Super. On peut se faufiler par ici du coup. Il est bien mort. Voilà, donc on casse tout sur notre passage, normal. Donc il faut juste qu'on descende ici ou il fallait qu'on aille ailleurs? Je me rappelle plus. Bon, on va essayer de descendre du coup. Ouais, ok. C'est bien ça. Ça nous emmène en fait là où il va y avoir, j'imagine, bon, au moins un. Ok, ça nous ouvre les deux trucs là. Parfait. Ah, du coup. Ok. Donc on a bel et bien réussi à avancer comme il faut. On peut péter ce truc là et faire un petit point de sauvegarde. Parce que si on doit affronter la grosse bestiole, le gros mecha, autant s'en occuper comme ça.
Là, il s'est, s'est mangé la porte. Il lui a fait tout droit là. Donc ça, ça nous ouvre. Mais celui d'en dessous, je l'avais pas ouvert tout à l'heure. Ou alors il s'est refermé après. Ah ok, non, ça a rouvert ça. Ok, le deuxième c'est pour ouvrir celui d'en haut. Parfait. Et donc il va falloir qu'on se fasse ce monsieur. Alors on va le laisser avancer pour pouvoir l'attaquer de dos. Merde. Ah, ah là je me suis bien fait eu. J'ai essayé de rester en invisible. Voilà. J'ai plus d'énergie maintenant mais... Ah mais le deuxième est à nouveau là en fait. Ah, je pense qu'il faut peut-être pas sortir de cet écran. Sinon on se retrouve à devoir les affronter à deux. Non mais... J'avais bien fait de sauvegarder. Elle se prend la porte à chaque fois. Et on va ouvrir la deuxième. Ah, j'ai un peu du mal, les contrôles c'est... J'ai plus du mal, c'est la créature, surtout quand on est en mode petit, elle se déplace à une vitesse, mais une foufeu. Bon, c'est un énorme avantage, hein, mais parfois c'est aussi un peu un défaut, parce que quand il n'y a pas des super espaces pour se planquer, comme ici, au final, les zones de planquage sont pas extraordinaires, quoi. Hein. Allez, là, je me fais encore attaquer un coup, je suis mort. Voilà, superbe. Ok, donc c'est juste ça. Très bien, est-ce que... Ben non, parce que si je repars pour sauvegarder, ça va probablement pas le faire. Parce que du coup, en fait, il faut que je réactive ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut bel et bien les affronter l'un après l'autre. Bon ben, ou alors... Celui-là, on devrait pouvoir carrément l'esquiver complètement. Voilà. Oh putain, c'était... j'ai failli l'avoir. Je voulais voir si je pouvais lui balancer la porte dans la gueule, mais... Parfait. On récupère un peu de vie. Bon, au moins cela... Bon, il nous redonne pas tant de vie que ça quand même au final, hein. Alors est-ce que... Attends, on peut partir à gauche là, mais je voudrais quand même activer ça en premier, ça nous ouvre cette porte. Mais ça, ça sert à quoi en fait? Ok, en fait, ok, c'est juste un petit truc sur le côté pour contourner probablement l'ennemi qui est dangereux, imagine. Bon, nouveau pouvoir a priori. Prenez le contrôle direct d'autres organismes. Parasitisme. Oh génial. Attends. C'est cool. Je peux lui dire de se suicider. Il y a une portée max, j'imagine, quand même, non? Ah non, ok, en fait... Ah non! Refaire triangle, ça permet de se téléporter.
C'est excellent. Ok. Et donc du coup, tout ça, c'était juste pour ouvrir ça, aller récupérer ça? C'est... Ne vous y méprenez pas, c'est très bien, mais... Ok, on peut pas revenir en arrière, en fait. Donc on doit remonter. C'est la seule chose que je vois. Mais du coup, il faut probablement affronter le gros truc. Alors, attends, mais du coup, avec le contrôle... Ah, je peux faire du contrôle mental ici. Oh merde! Ça m'a... D'accord. Je crois que j'ai... Yes, j'ai réussi. Alors, a priori, je peux pas... buter l'autre là-haut peut-être. Oui. Ok, ça, ça a marché. Je peux activer du coup le truc. Non, a priori non. Et on peut se téléporter là du coup. Non, on peut pas se téléporter avec eux. Oh merde. Et je crois que je perds de la vie quand je fais ça. Attends, si je redescends... bonjour, non, ça c'est bon. Mais attends, ça, ça m'a emmené à un endroit que je connaissais pas, où je rêve. Chier. Non, parce qu'il y a des mecs qu'on peut contrôler ici. Ah, mais c'est la sortie. D'accord. C'est la sortie. Ok, c'est la fin du niveau quoi, en fait. Et ils sont revenus ici ou... Bah non, mais attends, je me suis coincé ou quoi? Oh merde. donc là, il n'y a pas d'autre passage. Il y a un passage a priori... ouais, mais c'est là-bas à droite en fait. Mais du coup, en ayant buté les deux trucs... J'essayais juste de voir si je pouvais le contrôler. A priori non. Non, je peux pas activer. Je peux pas aller activer à distance. Je crois que j'ai fait une boulette. Attends. On va essayer de remonter vite fait là-haut en évitant l'autre bestiole. Ah merde, je suis coincé ici, c'est vrai. Hop, coucou. Ah, on va se mettre là, voilà. Bon. Je vais faire un break ici parce que c'est l'heure et on essaiera de résoudre ça du coup au début du prochain épisode pour voir. Mais en tout cas, bon, ça fait plaisir de revenir dans le jeu, j'espère que ça vous plaît. Et du coup, bah, je vais vous donner rendez-vous très rapidement parce que je vais enregistrer la suite tout de suite. Donc très rapidement pour la suite de ce let's play. Salut à tous.